Bon, partager cette petite vidéo. Je vais un peu parler à l'un de nos frères là, qui se nomme Ahmed Kamel. Parce que vraiment, depuis que je regarde ce gars, je me demande même s'il pense même à l'avenir de ses enfants. Je me demande même s'il aime même ses enfants. Je sais que mon français n'est pas très bien, mais au moins, nous tous, nous resterons les Camerounais. Des Africains. Et nous tous, nous avons le droit de se placer sur la toile et s'exprimer. Donc, je veux vraiment parler à ce gars. Je ne comprends pas. Ahmed Kamel, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, frère Ahmed Kamel? Tu penses que parce que tu es Bassa, ça veut dire que tu es un Camerounais différent des autres? Ou bien tu penses que parce que tu es Bassa, ça te donne le droit de toujours manquer de respect aux autres tribunes? Ou bien tu penses que parce que chaque fois que tu fais tes vidéos, chaque fois que tu fais tes vidéos, tu fais les éloges de ces gens qui sont au pouvoir, tu cries le nom du président, tu dis comment il est le meilleur président, il est ceci, cela. Personne n'en disconvient avec ce que tu penses. C'est ton droit. Mais chaque fois, pourquoi toujours attaquer aux autres tribunes, particulièrement les membres? Le Bamleke, pourquoi toujours? Ce sont les visibilités que tu cherches. Mais si ce sont les visibilités, je pense que tu en as déjà. Tu es sur la toile depuis près de 7 ans aujourd'hui. Et ne pense parmi les 27 millions de Camerounais. Même si c'est comment, il y a au moins 5 millions qui connaissent Ahmed Kamel. Ça ne te suffit pas. C'est pas assez de visibilité. Chaque fois, il faut venir indexer les autres tribunes. Chaque fois, il faut venir insulter les autres tribunes. C'est quel genre de provocation, ça? Si tu n'as pas pitié de toi et que tu n'as pas honte, il faut au moins avoir pitié de tes enfants, de l'avenir de tes enfants. Donc voilà, aujourd'hui, tu as décidé d'aller au Cameroun, travailler au champ et faire tes trucs de poulet là et toutes ces choses. Si par malheur, je te souhaite pas, mais si ça par malheur, demain quelque chose t'arrive, est-ce que tes enfants auront le courage d'aller au Cameroun et continuer avec ce que toi tu as laissé, avec tout ce que tu es en train de faire sur la toile là? Je ne sais pas, Facebook vous rend fou ou bien c'est parce que tu as marché à pied pour arriver en Europe que tu es devenu fou. Parce que parfois, quand je te regarde, je pense que tu es fou, mais tu ne sais pas. Tu as un problème, pas que je veux t'insulter ou bien te manquer de respect, mais je pense vraiment que tu as un problème dans ta tête. Tu as vraiment un problème, il faut te soigner. Ben, c'est pas normal. À 5 ans, quelque chose d'année, on se comporte encore comme ça sur la toile, devant les milliers de personnes, les millions de personnes. On ne pense pas à l'avenir. On ne pense pas ce qui peut arriver à nos enfants demain. Et chaque jour, on ne fait que faire la même chose. Après avoir eu de la visibilité, on continue toujours à faire la même chose, à indexer, à insulter, à manquer du respect, à faire la promotion du tribalisme, de division, de la haine. Vouloir porter le génocide. On peut être si méchant. Je ne sais pas si pour toi là c'est la méchanceté ou bien c'est parce que tu es fou. Ben, c'est aussi normal. La route que tu as pris pour arriver en Europe,
ça peut aussi, on peut être là comme ça, tes followers là, tes fans peuvent être là comme ça et penser que tu es normal. Alors que tu dans ta tête là, c'est toc toc. En anglais, on dit, y a the hybris. The Philistines, so the Philistines say, y a head Corinth, y a head the hybris. We hate not they. We hate not they. Hate don't go depuis. Le traumatisme là. Je ne me moque pas de ceux qui marchent parce que, bon, vu les conditions au pays, c'est normal. C'est normal. Il y a les gens même qui préfèrent aller mourir même au désert ou bien dans la mer que de rester dans le pays là. Il y a les gens même qui préfèrent, tu leur racontes n'importe quoi, dire que je préfère aller mourir même qu'au désert. C'est aussi normal. Peut-être toi-même, tu avais pensé la même chose. Ce n'est pas la même chose qui t'a poussé avant que tu aies pris la route du désert. Mais si tu as fait, mais tes conneries là, tu as fait ça, ça fait déjà 7 ans que tu ne fais que faire la même chose. Provoquer les gens. Provoquer les gens, ce n'est même pas du tribalisme. Alors toi là, tu, quand tu parles même, depuis 7 ans que tu fais tes vidéos, tu en as déjà fait plus de, peut-être 3 000 vidéos que tu as déjà fait, que tu as déjà fait dans ta vie. Parmi les 3000 vidéos là, il y a quelle de tes vidéos que nos enfants de demain peuvent regarder ça et apprendre quelque chose là-dedans? Il y a quelle de tes vidéos? Parmi tes 3000 vidéos que tu as déjà fait à mes caméras, parmi tes 3000 vidéos que tu as déjà fait à mes caméras, il y a lequel de tes vidéos que demain comme ça, tes enfants même peuvent regarder ça et apprendre quelque chose dedans? Si ce n'est pas du tribalisme, de la haine, de la division, mandiatisme et tout genre de conneries. Non, frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous avons encore une très très longue trajectoire en tant que les Africains, en tant que les Camerounais. Nous avons encore une très très longue route devant nous. Et toi-même, tu le sais, tu connais. Tu sais que parfois tu fais tes conneries là, juste parce que tu veux un peu mendianter derrière ceux qui sont en train de nous voler. Mais au moins, parfois, il faut mettre un peu de l'eau dans ton vin. Mais quand c'est trop, c'est l'air. Il faut avoir pitié de tes enfants, Amen, Kamen. Tu peux passer tout ton temps à faire seulement la promotion de la haine. Tu vas passer toute ta vie à faire ce genre de vidéos-là, ce genre de conneries-là. Tu penses que les vidéos que tu fais là, ça va aller demain? Tu penses que les vidéos-là vont aller demain? Tu penses que demain, tes enfants pourront se trouver où? Dans quelle situation? Est-ce que tu aimes vraiment tes enfants? Bah, quelqu'un qui aime ses enfants. Ou bien peut-être tu n'as pas, sauf si tu n'as pas d'enfants, même si tu n'as pas d'enfants, tu as les petits cousins, les petites cousines, tes frères ont des enfants. Si quelque chose ne t'arrive pas aujourd'hui, ça peut arriver à tes enfants demain, à cause de toi, à cause de ce que tu fais sur la croix. Ou bien tu penses que c'est parce que nos dirigeants, ceux qui sont là aujourd'hui, les ministres, tous ces gens-là, ils font toutes ces choses et ils sont toujours là. Donc toi aussi, si tu fais ta part, rien ne va t'arriver. Mais tu ne sais pas que ces gens-là sont protégés par le diable. Tu sais d'où ils ont mis les mains. Toi aussi, tu as mis ta main dans les choses-là. Il y a quoi qui te protège? Ces gens-là sont protégés. Voilà pourquoi les gens comme tous ces présidents, tous ces gens-là, on peut les insulter, on peut les détester, mais ils peuvent passer devant toi, tu ne fais rien. Parce qu'il y a une force qui dégage. Le protège. Il a une force qui te rend faible quand il passe devant toi. Toi, qu'est-ce qui te protège? Qu'est-ce qui te protège? Et qu'est-ce qui va protéger tes enfants demain?
Toi, tu es là, je sais pas, depuis que je te connais, il n'y a aucune vidéo que toi, tu as déjà fait comme ça, que tu n'as pas apprécié. Il n'a pas. Quand c'est bon, on apprécie. Mais tu as quelle vidéo que tu n'as pas apprécié? Tous tes fans, tous ceux qui te suivent, là, sont les gens qui réfléchissent aussi, les gens mauvaises comme toi. Ou bien les gens qui veulent juste s'amuser avec la galerie qui te suit. Mais sinon, toi, tu n'as rien de concret dans ta tête. Tu n'as jamais fait une vidéo qui peut éveiller quelqu'un, qui peut m'éveiller les consciences de quelqu'un. Que de la division, que de la haine. Provocation, toujours. J'en ai fait ça juste. Tu as vu ton frère, Billy Akele, il a fait pour lui, il s'est trouvé aujourd'hui. Le Kamal lui a frappé aujourd'hui. Toi-même, tu as pris la même voie. Mais heureusement que toi, tu as été un peu intelligent, que tu avais déjà tes papiers, que si tu pars là-bas, après d'avoir fait toutes tes conneries là, bon, si le gouvernement là, ne te guette pas, au moins tu vas encore rentrer en Europe. Donc toi aussi, tu es parti, ça n'a pas marché, tu es rentré. Mais au lieu maintenant de comprendre que ces gens-là sont déjà noyés. Et si toi, tu n'es pas noyé, ils ne font rien avec toi. Tu peux crier le nom, tu peux danser le nom, tu peux tout faire. Mon frère, ils ne vont jamais te calculer. Pourquoi? Ils ne vont jamais te guetter. Pourquoi? Parce qu'eux sont déjà noyés. Donc tout ce que tu fais là, ça ne peut rien changer. Ça ne peut pas faire en sorte que les Camerounais vont les aimer avec tout ce qu'ils ont déjà fait. Ça ne pourra pas changer. La meilleure des choses pour toi, c'est de revenir à la vérité. Come to the reality, bro. Apporte aussi ta part de participation à le Cameroun de demain. Bah, jusqu'à là, tu n'as pas encore pour apporter quelque chose. Tu as déjà, si c'est de la visibilité que tu cherchais, tu en as déjà. Maintenant, avec ta visibilité là, tu fais quoi? Division, détruire l'avenir de tes enfants. Demain, tu ne sais pas d'où tes enfants vont se trouver. Ils auront besoin d'aide. Mais quand ils vont regarder comme ça, oh, c'est le père, donc c'est la fille ou bien le fils de Ahmed Kamel, celui qui crée la division, celui qui passait tout son temps à insulter les Bamiléki, celui-là qui insultait les anglophones, celui-là qui a éclaté les têtes des enfants à Boya, il venait supporter que c'était bien fier. Celui-là qui fait. On regarde tout ton parcours. Tu penses qu'on pourra aider tes enfants? Je ne sais pas que les choses. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Tu penses que les enfants que tu fais ici, là, ils ne peuvent pas se retrouver un jour en Afrique ou bien au Cameroun. Ils peuvent se retrouver là-bas. Fais très attention. On ne provoque pas les milliers de gens. Si tu n'as pas un impact avec Satan, tu ne peux pas combattre les milliers de gens. Jusque pour quelques intérêts. Jusque pour protéger quelques personnalités qui vont partir bientôt. Et toi, tu vas rester. Ta famille va rester. Toi, tu gagnes quoi dedans? Tu en as profité quoi dedans? Tes enfants vont profiter quoi dedans? Parce que le gouvernement là, ne sera pas là pour des bons. Ils ne seront pas là pour des bons. En plus, un même ne veut même pas voir ta tête. Parce que si eux voulaient voir ta tête, tout ce temps que tu pars au Cameroun, tu rentres au Cameroun là, mais ils devaient déjà te chercher un petit place, te placer quelque part. Ou bien faire un petit tu comme ils font avec Stifa et les autres, avec les Cabral, Nanjib et Stifa. Ils font des petites choses avec ces gens-là derrière. Mais pourquoi toi, on n'a rien fait avec toi? Tu es parti avec pendant la Coupe du Monde, tu es parti là-bas en pensant que ton fils va aussi arranger pour que tu pars au Qatar. Et ton fils t'a zappé. Tu as commencé à insulter ton fils chaque jour. Mais il t'a même pas rappelé, puisque toi, tu ne pèses pas. Tu ne pèses pas dans ses yeux, mais tu pèses, mais tu déranges. Nous, on te regarde, tu déranges. Mais lui, et ton fils t'a pas caplé, parce que pour lui, tu ne pèses pas. C'est que tu es un petit mendiant tribaliste qui se cherche en 50 quelque chose d'année. Pour se chercher, il faut faire de la division, de la haine. Il faut détruire. Tu ne peux même pas voir que ce n'est pas tout le monde qui réussit même à marcher à pied pour arriver en Europe. Combien de Camerounais sont morts au désert? Dans la mer, dans les pays arabes.
Combien de Camerounais sont morts? Dieu t'a protégé jusqu'à ce que tu arrives en Europe. Tu arrives en Europe, écoute, t'as pas de façon maintenant que tu prends pour remercier Dieu. C'est de faire tout ce que tu fais sur la croix là. L'autre jour ici, le Nabimbi nous a fouetté. Nous sommes presque éliminés de la CAN. Deux mois est fâché. Les gens sont en train d'attaquer Gobesson. Les gens sont en train d'attaquer ton fils. Toi aussi, comme tu as le macabre de ton fils, puisqu'il ne t'avait pas laissé partir, puisqu'il ne t'avait pas invité au Qatar en tant qu'un influenceur, parce qu'il a vu que toi, tu n'as pas d'influenceur là, c'est juste pour créer de la haine. Il ne t'avait pas pris. Depuis cet an, tu l'attaques. Mais tant qu'il y a le truc de Namibie qui est arrivé, tu as commencé à attaquer ton fils. Tu attaques maintenant. Mais tant que les gens viennent te répondre, tu reviens encore, tu tournes contre eux, que ce sont les Bamakés qui t'ont supporté et que tu ne veux pas. Parce que les Bamakés ne connaissent pas ce qui veut dire le football. Ils n'ont jamais joué au foot. Le football, c'est pour les bassins. Quand tu attaques Eto, ce n'est pas parce que tu le détestes. Comment quelqu'un peut être comme ça? Tu attends. Tu fais ça exprès pour provoquer les gens ou bien tu es vraiment malade et que tu as besoin d'aide. Moi, je pense que tu as vraiment besoin d'aide, Amir Kamel. Je pense que tu as vraiment besoin d'aide. On doit te soigner. Même thérapie que je disais même la dernière fois, thérapie même ne va pas te souffrir. Tu dois aller dans un cicatrice, on doit t'attacher sur un lit et on doit te piquer. Il faut inject you, to tube you, injection them. I don't know which kind of injection, mais tu es fou. Il faut qu'on te soigne. Ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Parce que depuis que je regarde tes vidéos là, parfois tu viens, tu fais comme si tu veux un peu parler dans le bon sens et sensibiliser et parler certaines choses. Mais après, on découvre que tu faisais ça parce que tu vas arnaquer quelqu'un. Tu es en train de planifier une arnaque. Sinon, tu viens seulement pour créer le désordre. Quand tu viens pour faire tes vidéos là, que non, je vais parler des Africains, comment il faut faire ceci, cela, tu finis par arnaquer seulement. Si ce n'est pas ça, oh, c'est pour venir créer, c'est pour venir faire les vidéos du tribalisme. Insulter les Bamakés ne seront jamais président dans ce pays. N'a pas de problème. Parce que c'est tout le monde qui veut être président. Même si on dit que les Bamakés sont présents, ça serait tous les Bamakés qui seront présidents à la fois. Ce ne seront pas tous les Bamakés. Moi, je m'en fous qui est président. Mais si pour bien exercer ses fonctions, c'est mon problème. Même si c'est un chien comme un président et qu'il peut bien exercer ses fonctions, ça ne me dérange pas. Tout ce que moi je pense, que la souffrance qui est au Cameroun, ça diminue. Et qu'il y a les infrastructures, que la corruption diminue. Mais la corruption, ça va toujours exister. Partout, il y a la corruption. Mais il y a maintenant corruption et corruption. Au Cameroun, c'est le haut niveau. C'est devenu l'hymne national. C'est ça le problème. Sinon, partout, même ici en Allemagne, que nous sommes, il y a de la corruption. Mais ça ne se voit pas. Mais chez nous, c'est ouvert derrière. C'est comme ça que ça est. C'est ce que le président a installé. Pour mieux rester au pouvoir, il fallait installer de la corruption. Et chaque fois, il va sortir, chaque année, il vient dire, nous sommes en train de lutter de la corruption, alors qu'il n'y a rien. On voit qu'on attrape quelqu'un pour mettre en prison. C'est la personne qui garde derrière son pouvoir. Ce n'est pas à cause de la corruption. Donc, si même on met n'importe qui au pouvoir, ce qui nous intéresse, c'est qu'il puisse bien revenir. Et je sais ses fonctions. C'est ça qui intéresse les Africains partout. Il y aura toujours de la corruption. Mais si au moins on peut diminuer ça, en même temps, les lois qui sont fortes, qui condamnent ça fortement, que si on te prend là, on peut même les gens qui contrôlent toutes ces choses-là. Beaucoup de choses à faire. On n'a même pas encore commencé. Et les gens comme vous ne voyez pas. Parce que vous êtes égoïste, vous êtes méchant, vous pensez qu'à vous-même. Vous ne pensez même pas à l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos familles. Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez qu'à vous-même. Et la majorité des Africains sont comme ça. Voilà pourquoi nous souffrons.
Voilà pourquoi nous souffrons. Et voilà pourquoi les autres races nous détestent. Parce que nous sommes des gens qui ne pensent pas à l'avenir de ce monde. On pense que ce monde, là, là, là. Le reste ne nous intéresse pas. On pense là, là, là. On pense là, là, là. Les gens comme vous, tu ne penses même pas derrière tes enfants. On peut faire quelque chose un an, deux ans, trois ans. Mais après, on réfléchit. On multiplie les vidéos chaque jour. On réfléchit que, mais attends, toutes ces choses que je suis en train de faire là. Demain, ça ne va pas affecter mes enfants. Il n'y a pas un autre moyen. Si c'est le vieux, si c'est la Starmania, j'ai déjà. Au moins, il y a au moins 5 millions de personnes qui connaissent Amer Kamer. Je peux utiliser maintenant ma visibilité pour apporter quoi de positif. Je peux maintenant utiliser ma visibilité pour apporter quoi de positif, pour sensibiliser quoi. Toi, tu en as marché, tu as les expériences. Pas que tu n'as pas les expériences, mon frère. Tu as marché, quelqu'un qui a marché à pied pour arriver en Europe, il ne peut pas me dire qu'il n'a aucune expérience. Nous-mêmes, quand on a vécu cela sur place, près de 24 choses d'années, j'ai une expérience terrible. Je peux raconter des choses terribles. Et toi-même, tu peux raconter. Ces choses-là peuvent aider quelqu'un demain. Tu as déjà de la visibilité. Utilise maintenant ça pour. Il faut utiliser ça maintenant. Tu vas voir comment tu seras intéressant. Parce que les gens vont apprendre des choses derrière toi. Ils ne vont pas faire la même erreur. Tu n'es pas fatigué de faire la promotion de la haine, des divisions chaque jour. Tu n'es pas fatigué. Ça ne te fatigue pas. Ça ne te fatigue pas. Le football camerounais, c'est pour les bassins, c'est nos choses. Les Américains n'ont pas le droit de parler parce qu'on ne connaît, aucun grand joueur américain. Ceci, cela. Mais attends, il faut te poser la question. Est-ce que les Américains ou les anglophones ont même l'avantage comme les bassins ont pour jouer dans l'équipe nationale? Ils ont même l'avantage. Depuis que je connais cette équipe nationale, même les anglophones, les petits anglophones qui ont déjà passé là-bas, si tu ne peux pas t'exprimer en français déjà, tu ne peux pas jouer dans cette équipe nationale, alors que c'est une équipe nationale bilingue. Mais combien d'anglophones que nous avons vu là-bas qui s'expriment que c'est en anglais et qui jouent dans cette équipe? Alors que quand je connais mes amis d'enfants qui étaient talentueux, que et ton fils même ne peut même pas rêver d'avoir ce genre de talent-là, ils sont pleins au Cameroun. Au Cameroun, c'est un pays béni. Vous pensez que si Francis Ganou n'avait pas cherché sa route lui-même pour se retrouver aux États-Unis et en France, on devait le connaître? N'est-ce pas, son talent allait mourir comme ça? Vous connaissez donc maintenant combien de talentueux qui sont dans ces pays-là, mais juste parce qu'ils n'ont pas, ils ne connaissent pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, que leur talent finit comme ça, qu'ils finissent d'être les motomans, les taximans, les braqueurs et ceci, cela. Tu penses parce que on a eu beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale qui sont des francophones ou bien des bassas, c'est parce qu'ils sont plus talentés que les autres. C'est parce que la porte a été ouverte pour eux. C'est parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc arrête tes conneries là. Arrête tes conneries là, Amer Kamer. Arrête ça. Tu as déjà près de 5 ans que je suis dernier, il faut penser à l'avenir de tes enfants. Ok? Tu as le droit de supporter qui tu veux, mais sans la haine, sans des provocations, sans le tribalisme. Mais tu as le droit de supporter qui tu veux. Mais le tribalisme avec la haine et toutes ces choses que tu fais là, ça va affecter tes enfants demain. Le monde entier de ouvrir. Tu penses que parce que tes enfants sont ici là, ils sont trop cachés. Le monde entier de ouvrir, même ici là, ça va les affecter. Même ici là, ça va les affecter parce que nos enfants qui sont en train de grandir là, ils grandissent avec un autre esprit éveillé. Bah, aujourd'hui, les choses sont ouvertes. Ils grandissent avec notre esprit très, très ouvert. Donc, faites très attention. Ça ne serait pas comme c'était hier ou bien comme c'est aujourd'hui. Ça ne serait pas la même chose. Au moins, j'espère que tu es intelligent pour comprendre ça. Partagez cette vidéo, il faut que ça arrive à Amer Kamer. Bah, ça, c'est la première partie. Tu vas enchaîner au moins 10 vidéos sur ta tête. Tu vas apprendre quelque chose. Bon, français qui n'est pas bon là, il va apprendre le français que sur toi. Il va arrêter ça.